وسيدي كسبر الضوء. الحمد لله يوم مشمس ونهار إن شاء الله سيكون مبارك لاستقبال الضيوف الذين يتوفدون على المسجد الكبير. فنستقبلهم بكأس من الشاي. Alors donc la mosquée c'est le résultat d'un concours international sur invitation. Le choix a été fait, Paolo Portesi a été choisi comme lauréat. Moi personnellement, j'ai déjà voyagé dans quelques pays musulmans et j'ai pu apprécier cette ouverture et apprécier ce sens du travail aussi, très algébrique. Et voilà, je retrouve donc un peu cette plénitude ici et vraiment ce décor fascinant avec cette culture assez incroyable. Et ce qui m'a le plus interpellée, c'était surtout au niveau de l'architecture et les intentions de l'architecte, comment ça a été retranscrit au niveau du bâtiment. Et puis surtout, ouais, tous ces détails à la main, tout ce qui a été mis en œuvre pour ça. Et on voit cette volonté de mettre en avant aussi le côté artisanal. Ça m'a beaucoup interpellée aussi. Je viens d'une filière d'architecture, donc c'est quelque chose qui m'a bien parlé. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir ouvert au grand public la grande mosquée via les journées du patrimoine. Ça fait une très bonne connexion entre les différentes cultures religieuses, chrétiennes de manière générale, musulmanes, juives et autres. Beaucoup de choses sur l'architecture, sur la religion, donc je trouve que c'est vraiment très complet et très intéressant. Et il n'y a pas que le côté religieux aussi, il y a vraiment comment la mosquée s'est construite, combien de temps ça a mis, les matériaux, vraiment, et comprendre aussi la grandeur de la mosquée, que tout était fait manuellement, je trouve que c'est assez incroyable.